Hey, salut à tous, on se retrouve pour une petite review aujourd'hui au programme. Caitlyn Xerath contre... Attendez, je mets bien ça. Tac, tac, tac. Contre Brand et Ezreal. C'est une game plutôt intéressante. Bon, je suis en duo avec le mid. Et je vais faire quelque chose de particulier dans la game. Je vais beaucoup jouer autour des roams. Surtout parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Hein. Je fais pas vraiment une très très bonne game. Mais je reste très impactant et c'est le plus important. Bon, je vais quand même détailler un peu ce que je fais. Donc là, je prends le push tranquillement. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai forcé Ezreal à me mettre des Q sur moi et pas dans la wave. Parce qu'en fait, s'il met ses Q sur moi, il ne peut pas push la wave. Et si je les dodge, bah, il y a beaucoup moins de CDR. Ce qui me permet d'avoir le push assez facilement. C'est le problème de Ezreal, c'est que s'il met tout dans la wave, il peut avoir le push. Mais bon, là, il s'est décidé un petit peu trop tard. H2, j'ai mis le ward. Aucun souci, là je cherche pas trop à poke, à faire des dingueries. Là j'ai eu l'info de mon jungle qui m'a ping le bleu. Du coup on se retrouve à aller au bleu. Il y a Nunu, je sais pas pourquoi elle flash. On la tue sans trop de problèmes. Et là juste après je me retourne au mid et il y a Z qui fait n'importe quoi. Donc je suis niveau 2 et je me bats au mid. Donc ça crée un doublé en fait, cette action crée un doublé. Mais je l'ai dit quand j'étais en game, c'est que l'action part du fait que mon jungle a ping son blue. Donc là il s'est montré top, et j'imagine qu'il a compris que ça allait jouer le blue. Attends, mais pourquoi on voit la boule? En fait c'est parce qu'on a la prio, il nous a ping le blue. Et franchement il a été super smart, hein. Il a été super smart. Bon du coup ils lui ont ping de faire attention mais... Ça a coûté quand même W. Et ça fait plaisir. Et dans tout ça, en fait, j'ai même pas perdu de wave. J'ai rien perdu. On voit, j'ai toute ma wave. Aucun souci là-dessus. J'ai juste prendre mon temps pour tout récupérer. Quand je vais pouvoir crash la prochaine, comme Ezreal a pas trop de dépush non plus, et je vais avoir pas mal de temps pour pouvoir back. Et je me doute qu'il va se passer un truc. C'est comme le Brand est complètement fou. Il va chercher à faire un trade à la con. Donc on va pouvoir regratter encore un kill. Bon malheureusement j'ai pas mon slow push. Mais on fera avec, on prend la barrière en plus du Ezreal. Voilà pour le coup Brand un petit peu trop là. La wave va bounce si on regarde. Dans tous les cas il y a plus de sbires de son côté et la wave est en N3. Donc ça va revenir sur la prochaine wave. Et là dessus je suis déjà en 3-0. Bon c'est à partir de là que je commence à faire de la merde. Mais je suis en 3-0, j'ai ma glaive et tout. Et je mets ma pink. J'ai acheté une pink. J'aime beaucoup quand je suis devant prendre une pink, mettre ça là. Et comme ça je suis assez dominant. Si un jour ils veulent jouer la vision, je peux la jouer, je peux me battre dedans en fait. Je cherche beaucoup à me bagarre, c'est pour ça que je joue beaucoup autour de la vision. S'il y en a un qui fait ce check, il prend son tarif tout simplement. Bon jouer contre Brand Ezreal c'est toujours fun. Comme vous allez voir je vais juste me faire poke en boucle. J'essaye de prendre des trades, en vrai pour l'instant c'est ok. Hein. Je prends des trades qui ont du sens. Et j'ai fait un peu de la merde il me semble. Là c'est ok. Tu vois, je mets mon EQ. Après, je suis niveau 5. Là, je mets mon trade. Mais le truc, c'est qu'il a tout mis sur Ezreal. Enfin, moi, j'ai tout mis sur Ezreal et lui, il a tout mis sur Brand. Du coup, on n'était pas du tout synchro au niveau des dégâts. De tuer un mec, on a mis tous les deux l'eau. C'était vraiment de la merde. Du coup, je continue. Mais là, Ezreal touche tout. J'ai pas barrière. Moi, bon, il flash. Je ne sais même pas pourquoi. Ça m'a plus étonné qu'autre chose. J'ai été stun IRL de son flash. Littéralement. Bon, du coup, je meurs bêtement. Lui, il meurt pas. Waouh, il a eu chaud. Attends, mais il meurt pas. S'il meurt. Bon, en gros, ça trade kill, mais comme j'avais une prime, c'est pas très rentable. Donc ici, je rejoue. Je fais un peu de la merde. Attends, mais je meurs. Attends, je vais regarder le fight. Donc là, en fait, le truc, c'est parce que j'ai tellement de minions. Et genre, il a quoi? Il a une brillance et deux épées longues. Si on regarde ses stats, il est à 106, je suis à 137, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est Ezreal, en fait. Le champion, il est juste... J'ai pris le premier Q. Ah, c'est le premier Q qui a coûté cher, en fait. C'est le premier Q avec le Z. Ouais, si je prenais pas ce premier Q, en vrai, je jouais assez facilement, je pense. À partir de là, j'étais un peu en mode... Soit je suis con, soit Ezreal, c'est broken. Et je sais pas, un petit mélange des deux. Du coup, ça m'a un peu saoulé. Et je crois que je décide d'arrêter de me fight. Ce qui est con, hein, parce que j'étais en 3-0. Après, enfin, vu comment j'ai trollé, c'est tout à fait normal. Mais bon, je pensais pouvoir snowball. Mais mon champion me permet pas contre Ezreal. Ezreal a beaucoup trop d'impact, en fait. Même sans item, même sans avance, le champion est trop fort. Du coup, en fait, j'ai fait un push. Et je pars au mid. Je prends la vision. Je colle que j'ai mon R, du coup, je suis là, sur une pink.
Du coup, il go. Tac, je mets mon R. Bon, du coup, Z décide de go. Bon, il s'est passé un truc bizarre. Bon, j'ai laissé la fin du move. Donc, j'ai mis mon trap sur son sur Z. Tac, du coup, il meurt pas. Il meurt de charisme. Attends, mais attends, c'est... le jeu de jambes m'a proc après. Je jure, il est mort de charisme. Du coup, ça crée un double. Bon, je vais remettre l'action. Parce qu'elle a été assez spéciale quand même. Donc là, c'est le call. Hein. C'est le call. J'ai mon R et tout. Du coup, il touche. Là, je vais pour R. Et Z à R. Donc là, il fait son combo, il fait son truc. Et moi, en fait, j'ai Q au pré-shoot. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû Z en premier, peut-être. En fait, je sais qu'il va revenir en arrière, en fait. Il est pas master, le frérot. Il va être con, il va faire de la merde, forcément, tu vois. Donc il va grid. Hop, il retourne dans le trap. Et bon, je peux finir. Mais attends, je vais juste voir. Parce que là, il est pas mort. Il est mort de quoi? Il a 2 HP. Et je crois que le jeu de jambes revient au même moment. C'est pas ça? Je n'arriverai pas à savoir de quoi est mort Z. Ah, il y a peut-être une auto de sbire qui l'a suivi, non? Je pense qu'il y a une auto de sbire qui l'a suivi. Ah oui. Regardez. Les auto... L'auto là. L'auto là. Let's go, il est mort d'une auto de sbire. Oh, ça m'a mis bien. Bon, du coup, ça crée doublé. Pendant qu'au bot, bon, de toute façon, moi, je m'en fous un peu du bot. Et j'ai décidé d'arrêter de me fight au bot. En soi, c'est pas vraiment fou, mais bon, Xerath récupère, ça reste un AP carry. Il s'en sort quand même plutôt bien, malgré tout. Tu vois, ça fait le boulot, quoi. On va dire que j'ai fait un peu le boulot du support, en gros. Mais bon, c'est surtout parce que j'étais en duo. Je suis pas sûr que j'aurais dû rester autant. Mais l'idée était bonne. De juste jouer sur mon R. Mettre mon R, double R. Et comme ça, ça peut tuer au mid. Tac. Encore une fois. Et je deck à l'instant. On va jouer le direct. Donc là, je suis en 5-2. J'ai mon item. Ezreal aussi. Mais comme je vous ai dit... Je veux pas jouer ce Ezreal en fait. Le champion n'est pas équilibré. Le champion n'est pas équilibré. Je ne veux pas jouer contre Ezreal en fait. Il est anormalement tanky et fait des dégâts de zinzin. Vous voyez comment le trade est juste injouable. C'est surtout parce que là c'est Brand qui engage. Du coup on se fait surprendre un peu. Bon, je vais essayer de voir le problème. Il y a juste go in. J'essaye de m'écarter. Heureusement que je prends pas le R. Et j'arrive à me barrer. Mais c'est injouable. Hein. C'est littéralement injouable. Là, il tente ses trucs. Je crois qu'il... Ah ouais, il tue Brand. Je reviens, on récupère ça. J'ai récupéré mes bots en attendant. Bon, là, petit slow push. On ward. Bon, je peux pas trop push cette wave. Si je me fais catch par Brand. Après, il a pas de Riley encore. Je pense pas qu'il me partira là, Riley en plus. J'essaie de jouer dans les bushs. Là, je sais qu'il y a mon mid laner. Il m'avait call. De toute façon, c'était en Vogue. On voulait se battre. Et c'est assez spécial ce qui se passait parce que on n'avait pas la vision. Ils étaient tous les deux hors de vision et c'était un peu dur à jouer. Là je prends un petit trade. Je suis content parce que c'est dur de faire des trades sur Ezreal. Donc je prends le push. Mais comme j'ai pas de vision, je peux pas aller beaucoup plus loin. Je le ping sur la mini-map. On le voit de temps en temps, mais j'ai pas la vision là. J'ai pas la vision là. J'ai vraiment pas envie de m'avancer. En plus j'ai mon flash qui arrive bientôt. Du coup je prends vraiment aucun risque. J'attends. Et voilà. Ezreal, dans toute sa splendeur. Donc là il me touche un Q, je commence avec bon, 80%. Après je Q dans la wave. Je load son R, je prends son Q. Ouais, c'est pas drôle en fait, c'est littéralement pas drôle. Le champion est quand même fort. Hein. Bah moi je trouve ça Ezreal assez fort. Ah là on n'a pas vu mais il a tenté une dinguerie. Hein. Genre là il flash in, E, Q. Je sais pas s'il me tuait avec son Q, je pense qu'il me tuait mais il a raté en plus. J'ai barrière au cas où, mais bon. J'ai tenté, hein, écoute. Mais comme j'avais une barrière, ça valait pas le coup. Là, j'ai ma glaive, j'entame mon IE, et je me retrouve au mid. Et je lui dis que de toute façon, je voulais pas jouer contre Ezreal. Je ne peux pas side contre Ezreal. Le champion, il genre, en side, est trop fort. Donc là, mid, c'est le classique. Oh, il s'est retiré, quand même. Classique, on push mid, on fait des décals, on regarde ce qui se passe. Là, je vois que Z essaie de me zoner, je joue avec la vision. Là, j'ai raté mon E, hein. C'est aberrant de rater ça. Après, le fight se passe bien. On voit le Darius, j'essaye de kite. Petit trap. Enfin, un petit stun de Syndra. Du coup, on follow. Bon, jusqu'à j'ai pas fait des trucs de fou, mais en fait, le truc, c'est qu'on peut regarder. Du coup, Syndra en 12-1. Et je lui ai donné légèrement l'avantage au début et il en a bien profité. Du coup, j'ai décidé de jouer autour.
parce qu'avec Xerath j'arrivais pas à m'en sortir. Et surtout à cause du fait que Ezreal est injouable en fait. Vraiment, j'étais surpris à quel point. En fait c'est même pas la première fois que je joue contre des Ezreal, mais Ezreal en ce moment c'est beaucoup trop fort. Hein. Je suis mort. Ouais, je regarde vite fait le play ce que je fais. Parce qu'en fait je me suis dit j'ai E trop tard en fait. Je me doutais qu'il allait se passer ça, tu vois. Mon trap est pas si bon. Je dodge pas mal de trucs mais pas tout. Ah c'est Ezreal qui me finit hein. En vrai j'ai quand même dodge pas mal de trucs mais... C'était pas fou. Pour derrière Ezreal meurt et tout. C'est pas très intéressant pour eux dans tous les cas. Je sais pas pourquoi ils ont tenté un H en plus. Ils sont complètement fous les mecs avec moi, ils étaient complètement fous je vous jure. Donc là comme je suis là on va pouvoir jouer le nage. Tac tac tac. Je crois qu'ils arrivent mais rien de bien méchant. Ici il se passe un truc de fou. C'est qu'on envoie deux. Il y a Ezreal Nunu. Du coup moi je me dis bah la team on est 12. On va pouvoir jouer un peu quoi. Et là, du coup je chante mon AV1 sur lui là. Je rate mon Q. J'aurais peut-être même pas dû essayer de Q. Et je meurs. Mais en fait le truc c'est que là il y a Xerath qui erre et qui met deux boules sur Nunu genre. Il y a Ezreal, il y a Nunu. T'as le choix mon frérot. Qui ici erre Nunu? Vraiment je... Ok j'ai été mauvais mais bon. Une boule de plus sur Ezreal il est mort. Après j'ai mal joué, j'ai trop mal joué. Mais ce qui est con c'est qu'on a fait un H. J'aurais peut-être pas dû me fight hein, tu vois. Mais pour moi c'était free. Enfin fallait au moins défendre la terre. On pouvait pas back gratuitement comme ça. Donc on était un peu obligé. On va jouer le dragon. Très important de jouer autour des objectifs. J'arrive au bot. Je crois que c'est la seule fois où je gagnais un 1v1 contre eux. C'est vrai, je suis trop heureux. J'en ai tenté des 1v1. Vous l'avez vu dans la game, j'en ai tenté. Mais là, j'avais tu vois la position. Je pense qu'ils me voyaient pas. J'aurais peut-être dû me cacher, mettre un Q là-dedans. Mais en fait, c'est dur à toucher à cet endroit-là. Je prends le premier, mais je suis vraiment très confiant. Hein, tu vois. Je dodge le deuxième. Je rate mon E, mais bon. Barrière, barrière. Ça aurait dû tout le temps se passer comme ça, quasiment. Mais juste, mon champion est censé être quand même meilleur si je joue bien sur mes headshots. Mais là, tu vois, j'ai pas tenté de Q. Et je pense que c'est ce qui m'a fait gagner. Parce que le Q a un temps de canalisation beaucoup trop longue. Et si je le touche pas, je perds beaucoup trop d'HP. Bon, comme j'ai rien à faire, je récupère les jungles, je push tranquillement. On va récupérer les raids et tout. Hop, donc là, je crois que j'ai le début de ma Dominique plus le critique. On clear mid, on décale vers le Nash parce qu'on voit que le Nash va spawn. On va essayer de faire des traps, essayer de récupérer des gens qui voudraient se positionner ici. Parce qu'on va pas attendre qu'ils soient regroupés avant de se fight. Si on peut, on fait des catch. C'est le classique. Là, je vois que Xerath met des air tranquillement. Ce qui est bien avec Xerath, c'est qu'il met l'eau des gens. Moi aussi, je peux les mettre l'eau. Et du coup, ça nous offre un Nash. Parce qu'ils sont tous l'eau en fait. Et je crois que ça se bat. Du coup, il y en a un qui meurt. Bon, en vrai, rien de fou. Là, j'ai décidé de back. Parce que, après un H, on back. Il y a timing Drake dans 10 secondes. Et en plus, j'ai mon Dominique. Donc, ma team m'a pas trop suivi. À part mon mid qui a back TP pour soutenir mon call Drake. En plus, c'est la soul. Hein. C'est pas non plus un Drake de merde. Donc, là, on a eu la soul. Là, on est bien. Hein. Franchement, la game, on voit, il y a 10 000 calls d'avance. Mais bon, on reste en solo queue. C'est assez spécial. Attends, mais comment il l'a vu? Mais du coup, en fait, le truc, c'est qu'on joue un 2. Je crois qu'il l'a vu. Moi je go par là. En fait moi je voulais aller sur Z. Ici Z était clairement out pause. Même si c'est un Z tu vois. Vous allez voir, de toute façon vous allez voir. Le fighter, regardez juste ce qui se passe. Je l'ai auto air. Et j'ai bien rigolé à ce moment là. Vraiment bien rigolé. Après je lui mets 3 niveaux. Bon voilà il a aucune résistance c'est normal. Plus la mech steak et tout. Voilà j'ai fait de la merde. Donc là on veut taper la tour. Fais gaffe à Brand évidemment. J'ai pris un vieux Q, je rate mon Q sur Ezreal, ce qui fait qu'il meurt pas. Et là, je vois Darius, je me dis je vais le bait et je vais faire style de lui courir dessus et je vais E pour le tuer. Du coup là je fais ça, mais je mets une auto en trop, j'aurais dû E instant là. Il a E instant max range, enfin max range non, il est bon en bonne range quoi. Du coup je me fais choper comme une merde. Et je dois flash et je suis pas si loin de rester en vie mais bon, j'ai fait le con hein, franchement. Et en attendant qu'on faisait ça, Garen était en train de faire un petit trou au top. Mais j'avoue que si je meurs pas, on peut peut-être finir encore plus vite. Hein. Honnêtement, cette game, j'ai pas été très très bon. Mais le fait que je donne des ressources en early à mon mid a fait qu'il a pu carry tranquillement la game. Hop, on rejoint la team.
Là, il y a Ninu qui s'est suicidé. Je vais même pas le remettre. Ça nous a juste couru dessus. On push tranquillement. Voilà, comme je suis avec ma team, Z me fait plus trop peur. Hein. Je garde un headshot. Je mets la pression, je me mets trap. Et là, bon, c'est fini. Hein. Honnêtement, c'est fini. Hein. Je vais se mettre des petits headshots. Hop, cadeau. La Z qui me go in, mais bon. Vous voyez qu'il me fait quand même mal. Hein. Et ça se termine là-dessus. Gros GG.